Je m'appelle Pascaline, je suis judokate, entrepreneuse aussi depuis très peu et je suis entrée dans l'académie en janvier 2020. Ce qui a vraiment déclenché ma décision de rentrer dans l'académie, c'est en octobre 2019. J'ai perdu tous mes combats au championnat du monde, alors que 3 mois plus tôt, j'étais championne d'Europe, vétéran, chez les plus de 30 ans. Et du coup, ça m'a. En fait, j'ai réalisé que d'avoir perdu, évidemment, j'étais en mauvais état, je pleurais, mais surtout, ça effaçait tout le passé. C'est-à-dire que pour moi, j'étais redevenue nulle. Et ma victoire de 3 mois d'avant, c'est comme si elle comptait plus. Et donc ça m'a quand même choquée. Enfin, je me suis dit que c'était pas normal. Et dans le fond, enfin, c'est en tout cas, c'est ce que j'ai dit à Pierre au début pour savoir si je pouvais faire le programme. Dans le fond, en fait, ce que je ressentais vraiment assez fort, c'est que j'avais l'impression que j'avais des choses à faire, que je pouvais m'exprimer et faire quelque chose, mais quelque chose bloquait. Mais j'avais aucune idée de quoi. C'est juste que je sentais que j'allais pas jusque là où je pouvais aller. C'était vraiment ça mon problème, c'était, je lui disais ça, ouais. Ben, en fait, on peut résumer un problème de confiance en soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelais. De façon consciente depuis 15 ans, de façon très accrue sur les 6 années précédentes, parce que c'est les 6 années où je me suis fortement engagée dans la compétition. Et puis, de façon inconsciente depuis que je suis toute petite, je pense. Mais c'est vrai que je me suis toujours, dès que j'ai compris que j'avais un problème de confiance en moi, du coup, ça devenait aussi un peu mon identité. J'étais celle qui n'avait pas confiance en elle. Et j'essayais toujours de progresser, mais je restais cette personne-là. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai envie de dire, en fait, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Donc, c'est vraiment là aussi où j'avais envie d'aller chercher une solution. Il y a eu un résultat concret, assez drôle d'ailleurs, parce qu'il peut paraître vraiment totalement anodin, mais moi qui m'a tellement marqué, c'était le lendemain de ma toute première séance avec Pierre, donc 24 heures après, je vais au club de judo comme d'habitude, et dans ce club, précisément mon manque de confiance en moi qui se traduisait par une timidité, je l'avais depuis 3 ans, c'est-à-dire que je suis dans un club de jeunes, et globalement je me tiens un peu en retrait, mais c'est plus par gêne ou timidité, j'ai peur de les déranger, j'ai pas envie de m'insérer dans leur conversation parce que j'ai peur qu'ils me... Enfin voilà, c'est vraiment cette peur en fait de... Peut-être dans le fond de ne pas être acceptée. Donc ça, je l'avais depuis 3 ans, je m'étais habituée. Hein. Moi, j'avais quand même beaucoup de plaisir à faire du judo, mais j'étais toujours dans cette gêne de est-ce que je prends la parole? Est-ce que je dis quelque chose? Non, je reste en retrait. Et donc le lendemain de la toute première séance avec Pierre, c'était très très drôle parce que j'arrive dans le club et dès l'échauffement, en fait, à l'échauffement, à chaque fois, il y a des pompes, des abdos et le prof dit qui compte. Sauf que régulièrement, il oublie de nommer quelqu'un qui compte. Et donc, moi, ça faisait 3 ans que, quand on commençait à faire nos pompes sans personne qui compte, dans ma tête, ça m'énervait parce que je me disais, on fait des pompes pour rien tant que personne compte. Et donc, ça faisait 3 ans que dans ma tête, j'avais envie de compter, mais je le faisais pas. C'était pas mon rôle. Je me disais, non, je vais pas prendre la parole. Et donc là, on fait le tout premier tour, pompe. Et première pompe, il y a personne qui compte. Et je m'entends crier. En plus, je suis à l'étranger, donc dans une langue étrangère, je m'entends crier 1, 2, 3. Et moi-même, je me suis vue comme une personne extérieure, je me suis dit, mais tu comptes ? Et ça me faisait rire, en fait, ça me faisait juste tellement rire. Et j'ai jamais passé un cours de judo aussi agréable, gai. Et le comble de tout ça, c'est que dans ce cours, alors que je faisais rien non plus de spécial, quoi, enfin voilà, même si intérieurement c'était fou, c'est le premier cours où il y a au moins 3 ou 4 jeunes qui sont venus me faire une blague ou me poser une question sur comment ça allait ou me prendre pour un exercice. Et j'avais l'impression que c'était la première fois depuis 3 ans, donc c'était juste... Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, juste après, j'ai appelé Pierre en disant, mais qu'est-ce que t'as fait de moi? Mais c'était vraiment génial, génial. Et juste pour préciser la sensation interne que ça me faisait, c'est ce que j'ai expliqué à Pierre suite à cette expérience, c'est que d'un seul coup, je me sentais légère. En fait, c'est comme si j'avais 10 000 questions en moins. Je ne me rendais pas compte avant que j'étais toujours, il y avait une petite voix qui toujours se posait la question, même pour prendre la parole, tiens, est-ce qu'il faut le dire maintenant? Enfin, c'est inconscient. Mais là, de plus l'avoir, là, c'était très, très conscient que j'étais vraiment super légère. C'est hyper agréable. J'ai pas eu encore, j'ai envie de dire, de résultats concrets parce qu'en fait, il y a le Covid qui est arrivé et du coup, j'ai pas eu de compétition depuis le programme. Donc, j'ai pas eu de résultats concrets, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est assez magique, c'est que je peux pas dire que je m'en fiche, mais c'est comme si... En fait, c'est pas ça l'important. Et du coup, le fait que ce soit pas ça l'important, tellement le programme m'a amené des choses sur le judo en tant que tel, dans les entraînements, mais ça a déjà complètement changé mes entraînements, mais aussi en dehors du judo. Finalement, paradoxalement, je suis super pressée et contente d'aller en compète, juste pour voir ce que ça donne, pour me faire plaisir. En fait, la compétition, je vois plus ça comme une échéance un peu crispée où j'espère que ça va passer parce que
en dehors du résultat, moi je suis chez les plus de 30 ans, donc de toute façon je vais pas en faire ma carrière, mais le résultat ça représente quand même notre travail. Donc pour moi il y avait un enjeu, est-ce que mes progrès vont se traduire? Est-ce que je vais enfin arriver au niveau des filles que je trouve bien? Et là en fait cet enjeu il a complètement disparu et je suis juste super pressée d'aller en compète pour me faire plaisir, pour donner le maximum de ce que j'ai, pour m'éclater, pour faire ce que j'aime, faire du judo en fait. En fait, moi j'ai eu de la chance parce que à peu près fin 2019, comme je savais que mon contrat s'arrêtait un an plus tard, j'avais un peu l'idée de me lancer à mon compte et donc d'avoir un projet d'ailleurs autour du judo, un projet perso. Mais c'était une idée et encore une fois, j'étais dans ce un peu freinée en me disant mais je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je vais être à la hauteur, puis pourquoi moi je ferais ça alors qu'il y a plein de judokas super forts, qui je suis pour le faire. Donc toutes ces questions faisaient que je sentais que j'avais très envie. Mais je pense que j'étais, voilà, je passais pas à l'action. Et le programme arrive pour le coup pour vraiment des raisons judo. Le Covid arrive, donc je ne m'exprime pas tant que ça en judo parce qu'on n'a plus les entraînements. Mais qui dit Covid dit télétravail. Et là, en fait, bah, je prends la décision. Je me dis, bah, sûr et certain, dès que mon contrat se finit fin août, je me lance et je teste maintenant. Je vois ce que ça donne. Et donc très concrètement, le 16 mars au matin, j'ai mis un message et c'est vraiment, c'était très drôle parce que j'ai mis un message en disant. Ce soir, entraînement judo en ligne sur Zoom, si vous voulez venir, vous venez. En 3 jours, j'ai eu 1000 inscriptions. Et là, le soir, jusqu'à 2h du matin, je ne dormais plus et je me disais, il y a 3 jours, tu pleurais parce que tu n'allais plus avoir de compète. Et en fait, tu n'as jamais été aussi plus stressée que maintenant, alors qu'il n'y a pas de compète, mais c'est parce qu'il y a des vidéos demain. Donc c'était très, très drôle. Mais ce qui a été génial, c'est que j'ai énormément stressé, j'avais peur de ce que ça allait donner et tout. Mais juste, je le faisais parce que c'est ce que j'aimais, c'est ce que j'avais envie. Et du coup, je le faisais. Donc ça m'a pas retiré la peur, mais par contre, au lieu que ce soit une peur qui me retienne et qui fasse que ben non, je le fais pas, c'était une peur excitante, enfin voilà, c'était un challenge quoi, c'était vraiment génial. À partir d'aujourd'hui, ben, j'ai tout simplement envie d'aller beaucoup plus loin, autant dans le judo que dans mon projet professionnel, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je suis montée d'une marche grâce à la dépolarisation suite au programme, par exemple, j'ai réussi à faire des vidéos. Maintenant, c'est plus très difficile pour moi de faire des vidéos. J'ai vu que ça se passait bien et que ça amenait plein de choses qui me plaisaient, donc je peux continuer. Mais par contre, j'ai envie d'aller de monter d'une autre marche, de faire d'autres choses que je n'osais pas faire avant. Donc c'est ça en fait, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. En judo, ça veut dire que j'ai vraiment... maintenant, mon objectif, c'est vraiment de faire des podiums aux championnats d'Europe et du monde vétéran. Ça, c'est vraiment mes objectifs. Et là-dessus, il y a une petite phrase que Pierre m'a dite qui compte beaucoup. Il m'a dit, tu sais, t'as le choix et vraiment, il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Il dit, tu peux être première de la classe en maternelle ou être dernière à l'université. Et là, je me suis dit, bah, moi, il n'y a pas photo, je suis à l'université. donc voilà, mon objectif, c'est d'être à l'université côté judo, donc chez les grands, parce que je m'éclate. Je trouve que c'est une grande chance de rencontrer des grands judokas. Et maintenant, mon objectif, c'est d'être à leur portée, à leur niveau, c'est-à-dire ne pas être en dessous eux. Et d'être dans des combats où vraiment, ben ouais, c'est pas facile pour eux et j'ai ma place à prendre. Donc ça, c'est côté judo. Et côté professionnel, ben, mon objectif, c'est de réussir à vivre de mon projet. Donc pour ça, il faut que j'ose encore plus et que j'aille vers ce que j'aime et que j'ai confiance au projet que je crois. Si ça vous titille, que vous vous dites que c'est peut-être pour vous, moi je pense que déjà ça veut dire qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit pour vous parce que je l'ai vécu. Et je pense que si vous hésitez, c'est probablement que vous êtes dans les personnes où vous allez chercher les solutions par vous-même. En fait, pour moi, si vous êtes une personne qui avait l'habitude d'aller chercher vos solutions, c'est sûr à 3000% que le programme, mais vous serez plus que satisfait. Là, j'ai pas parlé de tout ce que ça m'a apporté aussi dans ma vie perso, familiale, amicale, amoureuse. Mais c'est juste un changement de vie total. Donc à partir du moment où on est en mode solution, où on est une personne qui va chercher ses solutions par soi-même, c'est sûr à 3000% que le programme, c'est dingue.